Au sortir de la victoire du Paris SG contre l'Atlético Madrid, 3-2, pour son troisième et dernier match de l'International Champion Cup. Thomas Tuchel a répondu à plusieurs questions sur la teneur du mercato du club de la capitale. Malgré un effectif rajeuni et deux blessures en cours de match, Loïc Mbeuso et Alex Georgen, le Paris SG a su trouver les ressources pour s'imposer dans les derniers instants face à l'Atlético Madrid, 3-2, sur la pelouse du National Stadium de Singapour. C'est avec le sentiment du devoir accompli que le coach parisien Thomas Tuchel se présentait en conférence de presse, saluant le travail des joueurs et félicitant notamment ses jeunes pousses. L'Allemand, qui a donné des nouvelles du retour de Marquinhos et Neymar dans le groupe, a également dû répondre aux nombreuses questions concernant le mercato du club de la capitale. Il a notamment balayé la rumeur d'un accord entre le PSG et Julian Weigl, 22 ans, Borussia Dortmund. Et sincèrement, je suis au courant. Un accord. À ce que je sache, non. Il y a eu des rumeurs depuis que je suis arrivé à Paris, parce que je l'ai eu auparavant avec moi à Dortmund et qu'il a bien progressé. C'est un joueur qui ferait du bien à de nombreuses équipes. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, a-t-il lâché, évoquant ensuite la rumeur N'Golo Kanté, 27 ans, Chelsea. Kevin au Real Madrid. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là, pour Tuchel, je ne ferai pas de commentaires au sujet de N'Golo Kanté. Je ne parle pas des situations des joueurs des autres clubs, s'est-il contenté de répondre au sujet du champion du monde 2018 avec l'équipe de France en Russie. Le technicien des Rouges et Bleus s'est en revanche montré plus disert à l'heure d'évoquer l'avenir d'Edinson Cavani, 31 ans, au Parc des Princes. Alors que la presse espagnole l'envoie régulièrement du côté du Real Madrid ces derniers jours. Mon plus grand souhait est qu'Eddie reste avec nous. J'ai parlé avec Eddie il y a quelques jours au téléphone, il ne m'a rien dit de ça, intention d'aller au Real Madrid, note de la rédaction, il m'a dit qu'il était pressé de revenir. Eddie est un joueur clé pour moi, a-t-il conclu, se montrant pour le moins clair et ferme sur ce dossier. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Thomas Tuchel attend désormais son retour. Des mots forts qui devraient plaire au Matador. Et sans doute l'arrivée de pressions en fort.